Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la supercharge. On est en route là pour une station superchargeur à Logne. Donc vous verrez, hein, j'ai mélangé un peu des images parce que j'ai testé sur deux stations de supercharge. J'ai testé sur celle de Logne et sur celle à côté de Troyes. Là on est en route, au niveau du GPS c'est assez simple, on peut cliquer directement sur l'icône superchargeur et on a tout de suite la liste des superchargeurs les plus proches et on peut le définir en destination. C'est intéressant de faire ça parce que du coup la voiture elle va faire en sorte de réchauffer la batterie si la batterie n'est pas à la bonne température pour que la batterie soit à la température optimum pour utiliser le superchargeur et recharger en fait au plus vite et d'être le plus efficace possible au niveau de la recharge. Donc je vous rappelle, au niveau de la recharge, Tesla a son propre réseau de superchargeurs dans le monde et on peut l'utiliser si on a un véhicule Tesla, donc modèle 3, modèle X, modèle S. Et donc en France notamment, ça nous permet de faire des déplacements qui peuvent nous demander d'aller voilà, au-delà de l'autonomie du véhicule parce que du coup on a juste à s'arrêter quelques minutes au superchargeur pour retrouver une grosse partie de l'autonomie de la voiture. Donc là je m'apprête à quitter l'autoroute pour aller rejoindre la station. Souvent elles sont hors de l'autoroute, ça peut arriver qu'elles soient sur autoroute, mais souvent elles sont juste à côté. Là vous voyez le petit message en fait, chauffage de la batterie pour supercharge. Donc c'était ce dont je vous parlais tout à l'heure, on a un petit message pour nous prévenir. Donc là voilà la station de superchargeur de Troyes par exemple, donc vous voyez comment ça se présente, c'est un parking avec donc des stations comme ça, des bornes. Sachant qu'aujourd'hui on conseille de ne pas brancher deux véhicules sur la même borne parce qu'en fait ça divise la puissance en deux. Ça c'est visiblement quelque chose qui va changer par la suite grâce à la V3 en fait de la supercharge et on pourra se brancher sur la même borne deux véhicules en même temps, on aura la même puissance. Là pour vous montrer donc on a deux prises disponibles, le combo CCS en haut et en dessous la type 2. Donc c'est les deux prises suivant le véhicule que vous utilisez et donc là en fait on est sur le CCS pour nous, donc c'est celle du haut qu'on va utiliser pour la modèle 3. On a un petit bouton au niveau du pistolet là, de la prise pour ouvrir la trappe ou alors on peut appuyer sur la trappe directement et il suffit juste de l'enficher comme ça. Le petit logo voilà va devenir bleu, ça veut dire que là on est parti pour charger. Donc là je vais vous montrer au niveau du véhicule ce que ça donne. La charge se met quasiment instantanément en route et vous voyez on a la puissance qui monte, qui va atteindre presque les 60 kW et avec donc une autonomie de à peu près un tout petit peu en dessous de 400 km récupérés par heure de charge. Donc ça c'est les indications que donne le véhicule. Il faut aussi savoir que là voilà je commence la charge en étant à 62% de batterie. Plus on est bas, plus le véhicule en fait va charger vite, rapidement. Et à la fin, en fait, il y a comme un atterrissage qui se produit pour pas abîmer la batterie, en fait, tout simplement. Voilà, c'est plus long, en fait, sur les derniers pourcents. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on préconise, en fait, de recharger quand on est entre 10 et 20% sur un trajet et de remonter uniquement qu'à 80 ou 75. Et voilà, de pas essayer d'aller tout le temps sur le 100% qui est pas très intéressant. Ça fait aussi j'ai lu plusieurs trucs sur internet, sur Facebook, sur des groupes où pas mal d'utilisateurs en fait de superchargeurs disent en fait avoir remarqué comme un bridage de la supercharge et les gens bloqueraient en fait à 60 kg à chaque fois. Là c'est ce que j'ai constaté maintenant, bon voilà je suis arrivé à 63% de batterie, un petit coup de YouTube ou de Netflix et puis c'est parti, on va pouvoir du coup enchaîner sur la deuxième station, je voulais vous montrer aussi le résultat. On a en fait le même phénomène, là on est sur la station de Troyes, donc j'ai pas fait exprès mais je suis arrivé avec le même pourcentage pratiquement, donc il me restait 63% de batterie vous voyez, et là on a la supercharge qui se met en route et on va aussi plafonner entre 50 et 60 kW au niveau de la puissance. Donc voilà, au niveau de... Moi c'est ce que j'ai constaté, maintenant c'est vrai que j'aurais pu faire le test en arrivant avec une batterie encore plus vide, bon bah là c'était pas le cas. J'ai voulu montrer un peu comment ça se passait. J'ai déjà constaté hein, par le passé, j'ai chargé à plus de 150 kW, surtout quand j'ai fait des gros déplacements. J'ai fait pas mal de vidéos sur des longs trajets, par exemple quand on est allé en Allemagne ou en Vendée.
Voilà, vous pouvez regarder un petit peu sur la chaîne comment ça se passait, mais je voulais vous montrer un petit peu la façon dont se déroulait la supercharge. D'ailleurs, si vous voyez en bas à droite, on a le tarif de la session en cours. Donc là, 0 euros. Chaque minute, en fait, on va avoir le compteur qui va s'activer. Et surtout, bon là pour le moment, moi je paye pas parce que grâce au parrainage, j'ai eu de la supercharge gratuite. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez utiliser mon code de parrainage pour obtenir 1500 km de supercharge gratuite si vous souhaitez vous acheter une voiture. Mais c'est vrai que c'est bien plaisant de pouvoir profiter voilà, du réseau de superchargeurs Tesla. Voilà, on parle souvent dans les commentaires quand j'ai des personnes qui se demandent si il faut acheter un véhicule Tesla ou pas, qui hésitent encore à franchir le pas. On me parle souvent du réseau de concessions, de garages, de service center pour l'entretien du véhicule. C'est vrai que c'est pas, ils n'ont pas un réseau hyper fourni en France pour tout ce qui est vente et puis livraison du véhicule et même après entretien. Bon, il y a quand même les rangers qui se déplacent s'il y a besoin. Nous, ça a déjà été le cas une fois, ils sont déjà venus jusqu'à chez nous. Et puis il y a un nouveau, par exemple, service center qui a ouvert à Boissy-Saint-Léger. Enfin, il y a quand même des améliorations. Mais voilà, moi je sais que je préfère miser sur un véhicule, par exemple Tesla, avec un réseau de supercharge qui tient la route et qui fera que je pourrai emmener mon véhicule et mon véhicule pourra m'emmener surtout où je le souhaite grâce à ce réseau de superchargeurs sur lequel on peut vraiment compter plutôt que du coup de miser sur, par exemple, sur un Kia e-Niro ou un Audi e-tron qui sont certainement des véhicules vraiment super sympas mais avec un gros réseau pour le coup de distribution et puis pour le garage aussi, tout ce qui est maintenance derrière, mais voilà encore des réseaux de recharge assez limités quoi. Donc quitte à choisir, si on parle un peu des deux aspects, je préfère quand même la stratégie que Tesla a mise au point. Je vous ai mis aussi une petite capture voilà, de ce qui se passe à l'écran quand on est en cours de recharge sur l'application du téléphone. Pardon. Vous voyez, on peut tout contrôler. On peut aussi, il y a un petit curseur blanc au niveau de la batterie. On peut aussi modifier du coup le maximum de recharge qu'on souhaite. Et puis contrôler vite fait sur son téléphone si c'est bientôt terminé. Là, vous voyez, il me restait 5 minutes. Sachez aussi, alors moi, j'ai jamais eu le cas encore, mais si vous squattez un peu trop longtemps une place sur un superchargeur alors que votre recharge est terminée, Tesla se réserve le droit de vous facturer le temps que vous avez, le temps pour lequel vous avez occupé la place pour rien. Donc soyez vigilant à ça, puis ben, c'est bien, de toute façon, il faut être citoyen, il faut laisser la place aux autres. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, hein, comme d'habitude, la petite chanson sur on s'abonne, on clique sur la cloche, et puis surtout un petit pouce bleu, ça fait vachement plaisir. Là, dernièrement, les vidéos marchent vraiment beaucoup. Je pense que voilà, c'est tout le monde s'intéresse de plus en plus aux véhicules électriques. Et voilà, moi j'ai calculé là, on a fait 20 000 km et ça m'a coûté 476 euros d'électricité à 14 centimes d'euros le kilowattheure. Voilà. Bon, à très bientôt et puis surtout, prenez soin de vous. À la prochaine, pardon. Salut.